الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé un dîn qui est juste. Dans différents domaines de notre vie, l'islam nous a enseigné le juste milieu. Dans différents domaines de notre vie, et dans différentes étapes de notre vie, alors l'islam nous a enseigné le juste milieu. Que ce soit dans les croyances, que ce soit dans nos actes d'adoration, dans nos ibadat, que ce soit dans nos transactions, dans nos relations sociales, familiales, dans tous les domaines de notre vie, alors l'islam nous a enseigné le juste milieu. Maintenant, c'est quoi ce juste milieu? C'est quoi le juste milieu? Mais ce juste milieu n'est autre que la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un modèle parfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un modèle parfait. Le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul mode de vie qui mènera une personne à l'échec de ce monde, dans la tombe et dans la vie éternelle. C'est le seul mode de vie qui fera descendre sur nous la barakat, la bénédiction, la miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul mode de vie qui nous procurera la tranquillité et la sécurité. Donc dans différentes situations, différentes occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux sahaba le juste milieu. Et nous savons tous qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura plus de prophète à venir. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura plus de prophète à venir. Maintenant, pour rester sur cette voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracée, alors c'est nécessaire pour nous de se rappeler mutuellement, de s'entraider mutuellement à la pratique de l'islam. Tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit dans le Coran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Faites le rappel, car le rappel est bénéfique pour le croyant. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraidez-vous au bien, entraidez-vous à la piété. Tant que la Ummah, tant qu'on se rappellera mutuellement de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'on se rappellera mutuellement de nos objectifs, alors la Umma sera sur le bien, la Umma sera sur le khayr. Et la Umma restera sur cette voie tracée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on négligera ce rappel entre nous, ce rappel mutuel, lorsqu'on négligera cette entraide entre nous, alors arrivera une époque où le bien ne sera plus considéré comme bien. Le péché ne sera plus considéré comme un péché. Ou pire que ça, qu'Allah nous protège, le bien sera considéré comme mal et le mal sera considéré comme bien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait nécessité de rappeler à ses compagnons, à ses sahaba, le juste milieu, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseillait ses sahaba, il enseignait les sahaba. Il rappelait les sahaba que telle manière d'agir, alors ça c'est ma sunna. Comme on connaît le récit, que trois personnes ils sont allées voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander à propos de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de sa maison. Alors les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont expliqué l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'ils ont eu l'information de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils ont trouvé ça peu par rapport à leurs attentes. Ils croyaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup plus d'adoration que ça dans sa maison.
Alors ils se sont dit, ils disent, mais nous, qui on est par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? On ne peut pas se comparer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ses péchés passés et futurs, ses erreurs passées et futures sont pardonnés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cette garantie de la part d'Allah. Mais nous, c'est nous qui devons faire des efforts pour acquérir cet agrément d'Allah, pour avoir cette proximité d'Allah. Alors il y a un parmi les trois, lui il a dit comme ça, ben moi, je vais passer toute la nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, lui, il a dit que moi je vais jeûner tous les jours. Et le troisième, lui, il a dit que moi je ne me marierai jamais. Je vais m'écarter des femmes. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui et il a appris ce que ces trois personnes-là, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait appeler ces trois personnes et il a dit avec ces personnes, il dit comme ça que, ben, « Ama wallah, inni la akhshakum lillah wa atqakum la. » Il dit, « Je jure par Allah que moi, je crains le plus Allah que vous et moi, j'ai plus la piété que vous. Mais moi, dans la nuit, une partie de la nuit, je reste réveillé devant Allah, mais une autre partie, je dors. Un jour, je jeûne et un jour, je ne fais pas le jeûne. Et je suis adepte du mariage également. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait à ses trois compagnons, c'est quoi le juste milieu? Comment on doit se comporter dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans nos relations familiales, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le juste milieu. Cette Umm Habiba radiallahu ta'ala anha, qui était la fille de Abu Sufyan et l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, nous savons tous qu'avant l'islam, il a causé beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Umm Habiba radiallahu ta'ala anha, elle est à Madina Munawara et son père vient le visiter. Abu Sufyan, qui n'est pas musulman. Alors, Abu Sufyan, il vient visiter Umm Habiba, l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et elle accueille son papa dans sa maison. Pourtant, il a causé beaucoup de tort au mari de Umm Habiba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné que même si lui, il n'est pas musulman, même s'il m'a causé beaucoup de tort, mais l'islam, ce n'est pas quelque chose qu'on agit par émotion ou bien par sentiment. Mais c'est l'ordre d'Allah et la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle a accueilli son papa. Mais elle a enseigné à son papa également que cet endroit, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'assoit dessus. Donc, par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'assois pas dessus. Mais elle a accueilli son papa. Donc, de nos relations familiales, l'islam nous a enseigné le juste milieu. Et mes chers frères, ce juste milieu que l'islam nous a enseigné, ce juste milieu a pris en considération nos émotions et nos sentiments. Ce n'est pas que l'islam a fait abstraction de l'émotion d'un être humain, a fait l'abstraction des sentiments de l'être humain. C'est pour cela, lorsqu'il y a un moment de tristesse, un moment de chagrin, quelqu'un est décédé, quelqu'un a quitté ce monde, un de nos proches ou bien un de membres de notre famille. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans cette situation comment un musulman il doit se comporter pour toujours garder ce juste milieu. Ibrahim, le fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, il était encore en bas âge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré. Alors un sahabi a dit au prophète d'Allah, il a dit, toi tu pleures alors que tu as interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il a dit, j'ai interdit d'un moment de chagrin et de tristesse et de malheur, qu'une personne se griffe le visage, il se frappe le visage, qu'elle se déchire son col. À l'époque de la jahiliya, de l'ignorance, ça c'était l'habitude. Il y avait des femmes qui étaient payées pour ça. Vous voyez, dit, j'ai interdit qu'une personne, dans les moments de malheur et de tristesse, de frapper le visage, de se griffer, de déchirer ses vêtements, et de dire des paroles qui sont exagérées à l'encontre d'Allah. Mais les pleurs que moi je suis en train de pleurer, ça c'est une miséricorde de la part d'Allah. Qu'Allah il dépose dans le cœur des compatissants. Qu'Allah il dépose dans le cœur des compatissants. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-qalbu yahzan. On est être humain, le cœur il a des sentiments. Donc Al-qalbu yahzan. Le cœur il est chagriné, il est attristé par la mort de ce garçon, par la mort de ce fils. Wal-aynu tadma'. Et les yeux ils débordent de larmes. Voilà, on ne dit rien
qui est contre la volonté d'Allah. On accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé. Donc, un moment de tristesse, de chagrin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment un musulman doit se comporter pour ne pas exagérer et pour ne pas non plus tomber dans la détresse et dans la dépression. Parce qu'il ne peut pas exprimer cette tristesse. Le prophète nous a enseigné le juste milieu. Un moment de joie arrive, il y a une naissance de la famille, un nouveau-né. C'est un moment de joie pour les parents, pour les membres de la famille, pour les grands-pères, etc. Le prophète nous a enseigné. Dans ce moment de joie, comment on doit se comporter? Le prophète me dit de mettre un beau nom à cet enfant-là. Un nom simple. Un nom qui nous fait rappeler nos pieux prédécesseurs. Un nom qui nous fait rappeler les sahaba radiallahu ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire le azan dans les oreilles. Des choses simples. De faire le aqiqa. De manifester sa joie, d'égorger un animal. De distribuer la viande ou bien de faire un repas pour le nouveau-né, pour cet enfant qui est venu sur terre. Donc dans les moments de joie, l'islam nous a enseigné de manifester notre joie. D'exprimer sa joie. Qu'on est content avec ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, mes chers frères, lorsqu'il y a union de deux personnes, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a un nikah, alors c'est un moment de joie. C'est un moment de joie. Dans ces moments de joie, le croyant, il doit manifester sa joie. Que là, c'est un moment où non seulement deux personnes vont s'unir, mais c'est deux familles qui vont s'unir. Maintenant, dans ces moments de joie, le croyant, il réfléchit, il regarde. Dans ces moments de joie, dans le mariage, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a enseigné? Le mariage, l'islam a rendu le mariage quelque chose de très facile. L'islam a rendu le mariage quelque chose de très facile. Un grand compagnon, comme Abdurrahman bin Auf, radiallahu ta'ala, une fois, il vient visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit sur ses vêtements comme une couleur de safran. À l'époque, ils avaient l'habitude d'utiliser un parfum qui avait cette couleur-là et qui était signe que cette personne, il s'est marié. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abdurrahman bin Auf, il a dit, Abdurrahman, il a dit, tu t'es marié? Il a dit, oui, je me suis marié. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout simplement, Aoulim walaw bishatin. Il a dit comme ça, ben, faites ce nikah-là, fais le valiment, même si c'est un mouton. Regardez dans ce mariage, le prophète, il est prophète d'Allah. Il n'est même pas informé que son compagnon, il s'est marié. Il n'était même pas invité pour le nikah de son grand compagnon Abdurrahman bin Auf. Mais regardez le comportement de Rasulullah, le juste milieu. Le juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas exprimé sa colère. Ben, tu ne m'as pas dit donc. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un moment de joie. Ben, faites cette joie-là. Égorge un animal et donne à manger aux gens. Égorge un animal et donne à manger aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du nikah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, barakatan. On veut un nikah, un mariage qui est parfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le nikah qui a plus de bénédictions de la part d'Allah, aïsaruhu ma'una. C'est le nikah, c'est le mariage qui a le moins de dépenses. C'est le mariage qui a le moins de dépenses. Donc, mes chers frères, dans ce moment de joie, spécialement durant le nikah, durant le mariage, c'est automatique qu'un père, une mère, il est content que sa fille ou bien son fils va se marier. C'est un moment de joie. Mais mes chers frères, on doit se soucier. Dans ce moment de joie, spécifiquement durant le mariage, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Et nous savons tous le contexte qu'on vit actuellement. Ce n'est pas facile. Le prophète lui-même, il a dit, arrivera une époque de pratiquer sur la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera comme si tenir une braise de feu dans sa main. C'est-à-dire la société est telle que pour pratiquer le din sera de plus en plus dur. Mais ce ne sera pas impossible. Comme j'expliquais au début, Allah nous a donné les ingrédients. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le contexte est difficile. La société devient de plus en plus difficile. Mais si nous, en tant que musulmans, nous allons nous rappeler de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour tirer vers le haut, pas de critiquer, de rappeler, de nous rappeler mutuellement la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. De s'entraider mutuellement
à la piété, à la taqwa, à la vertu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aidera pour que nos vies soient conformes à la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de s'entraider mutuellement, de s'encourager mutuellement. C'est pour ça, mes chers frères, généralement, lorsqu'il y a un nikah, lorsqu'il y a un mariage, donc le jour du nikah, on appelle un moulissab, un alim, Inch'Allah, il va faire son discours. Et il va parler à propos de l'importance du nikah, de la vertu du nikah. Comment les futurs mariés, comment ils doivent se comporter afin que dans la vie de couple, il y ait une certaine harmonie. Il y a un respect mutuel au sein de la famille. Afin que cette famille soit source de hidayat, de guider les générations, les progénitures qui vont sortir de cette union, sera source de miséricorde. Comment ces deux nouveaux mariés soient source de fraîcheur des yeux pour leurs parents, etc. Donc ça, c'est le jeu du nikah. Mais, mes chers frères, c'est bien également que dans l'organisation de notre mariage, parce qu'un mariage, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. C'est pas du jour du nikah qu'on prépare son mariage. C'est une organisation qui dure des mois et des mois à l'avance. Donc c'est bien qu'avant notre mariage, avant l'organisation du mariage, mes frères, alors on prend conseil avec un alim. On se rapproche d'un alim. Voilà, Moïsab, ma fille ou bien mon fils, j'ai l'intention de le faire marier. On a l'intention d'organiser notre mariage de telle manière. De cette manière, est-ce que l'organisation de cette manière, est-ce que c'est conforme à la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien au moins, est-ce que de ce mariage, il n'y a rien qui est contraire, qui n'est pas approprié pour qu'un musulman ait fait durant ce mariage? Donc, Inch'Allah, si nous allons nous rapprocher d'un moulissab pour demander des conseils, non seulement ce mariage sera un moment de joie, mais ce mariage sera une source de barakat et de bénédiction pour les futurs mariés. Et non seulement pour ces futurs mariés, mais ce sera une porte d'ouverture pour que tous ces jeunes filles et tous ces jeunes garçons qui sont en attente de se marier, on ouvre la porte de la facilité pour ces jeunes. Nos grands nous disent que tant qu'on facilitera le mariage, on fera en sorte que nos mariages seront simples. Alors Allah subhanahu wa ta'ala facilitera aux jeunes pour se marier. Mais lorsqu'on rendra difficile le nikah et le mariage, on mettra ce mariage très cher, alors on est en train d'ouvrir la porte de l'adultère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq, inshallah, de comprendre ces quelques paroles et de s'encourager mutuellement au bien, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'inshallah, petit à petit, inshallah, on essaie de s'entraider afin de se rapprocher de la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.